J'ai tout le temps l'impression d'être incomprise, que ce soit dans mes relations, dans mon milieu professionnel, en famille. Ah J'ai bon? l'impression que personne ne me comprend. Ah bon? Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Ben, l'incompréhension, moi, ça me dit rien. Et c'est toujours ça. Ah oui, c'est vrai que ta vie, t'es toujours seule. Et Steve? Bah, moi, je dirais pas que je suis incompris, je dirais que je comprends pas les autres. Tu comprends pas en fait les autres, tu comprends pas les Le relations en fait, le fonctionnement. fonctionnement des gens. Ça t'a jamais Je suis intéressé? largué. Vous entendez ça? Mais dis-moi, Samantha, toi, tu arrives à comprendre les gens? Oui, quelquefois, j'essaie de me mettre à leur place. Donc, comment ils font pour gérer certaines situations. D'accord. Et après, j'analyse. Et ce qui sort, sort. D'accord. Et donc, du coup, ça se passe souvent bien en fait dans tes relations par rapport à ça. Des fois bien, des fois pas bien. D'accord. Et t'as déjà eu des clashs et tout? Oui, ça. Non. En fait, l'incompréhension, je pense qu'il faut, il faudrait bien la gérer, c'est-à-dire avoir le sentiment, ok, je suis en face de quelqu'un que je ne comprends pas ou qui ne me comprend pas. Essayer déjà de mieux expliquer ce que je veux dire et savoir ce qu'on veut. Donc, du coup, si la personne te dit, ah non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit, tu peux juste demander, est-ce que tu peux reformuler pour que je comprenne mieux? Parfois, la reformulation aide à éviter les incompréhensions et les relations. Au fait, les gars, vous avez écouté la story qui s'est passée entre Florie et Daniel? Non, non, raconte. Mais les mêmes faisant qu'avant clashé, les chiens clashés sur les réseaux. Non. Ah, bah, parce que Florie dit à Daniel, on t'a accepté notre groupe, tu avais de l'argent, que si c'est sur ma cause de ton mauvais comportement, on ne devait jamais être amis avec toi, que tu étais juste pour ouvrir les portes du relationnel, bon, des relations, genre pour accéder à un niveau, donc. Ah, purée. Mais la même fois, ça donnait pas quoi, même. Ça donnait à quoi quand elle a commencé à marcher avec des gens comme ça? C'est sérieux. Attends, Steve, comment tu peux dire ce genre de truc? Ça veut dire quoi? Attends, je vais la voir. Pourquoi c'est là? Bah, j'en sais rien. Je parlais juste de la. Je vais la voir. Non, laisse pas, c'est là. Et tu, comment tu peux parler comme ça? J'ai raconté quoi? Non, tu sais, c'est grâce à un fantôme que tu as dû faire quelque chose. Je parle d'un truc que j'ai vu sur les réseaux. Je raconte la scène entre nous. On passe du bon temps, donc du claquement de doigts, parce que je raconte une scène que j'ai vue sur les réseaux. Je passe pour le méchant. Ça, c'est les comportements qui commencent à m'énerver. Non mais pourquoi Steve parle comme ça? Il n'a pas le droit de parler comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit qui t'a frustrée? En fait, j'ai comme l'impression que partout où je vais, je ne suis pas acceptée réellement pour qui je suis. Je suis acceptée parce que je suis d'une famille riche. Et vraiment, c'est une blessure que j'ai au plus profond de moi. Mais comment veux-tu qu'on le sache si tu ne nous en as jamais parlé? Que ce soit à Steve, à Mathieu ou à moi. On n'est pas censé savoir ce que tu as comme blessure. Écoute, je me suis sentie visée et je n'ai pas apprécié. Et là, j'ai plus envie de parler. Samantha, est-ce que je peux te parler? Samantha, je peux te parler? Écoute, je voulais pas te causer du tort. J'ai juste raconté une histoire, donc je tiens à m'excuser. Je ne sais pas passer l'ambiance. Non, ne t'inquiète pas. C'est pas grave. En fait, j'ai toujours eu cette impression qu'on n'aime pas vraiment. On n'arrive pas parce que j'ai de l'argent. On n'est pas sincère avec moi. Et donc, quand tu as parlé de cette histoire, je me suis sentie frustrée, je me suis sentie divisée. Et je te demande pardon pour cela. Je tiens aussi à m'excuser. J'ignorais que les propos que j'ai eu à te dire ont pu te toucher. Je ne vais pas casser l'ambiance, ni à mettre mal à l'aise. Donc, excuse-moi.
Mathieu, j'aimerais vraiment me confier.